c'est boire et coucher au petit jour. Je ne connais qu'une chose, je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais pas faire l'amour pour l'amour. Pourtant mon coup peut se lever, si un verre est là pour le prolonger. On ne m'a jamais proposé une façon de fatiguer. Donc je ne peux pas m'expliquer.
Il a le même nom qu'Elton. Il fait 100 bornes toute la semaine pour venir répéter. À la batterie, je vous demande de faire un boum pour monsieur John John. L'autre petit jeune à côté est à la guitare électroacoustique, à la guitare électrique, au dobro. Je demande d'applaudir monsieur Jeffrey Lobé. De l'autre côté, l'autre petit jeune. Dans la musique, c'est comme dans la vie professionnelle, hein Mathieu. Quand on engage des vieux, on bénéficie d'une prime à la carte. Un subside, voilà, c'est le mot. Donc nous, il y avait ce brave garçon ici, qui n'a l'air de rien, mais qui à son époque a fait partie des Serpents Noirs d'Ardennes. Qui se souvient des Serpents Noirs? Qui chantait « Hommage à Céline » à la guitare électrique, à la pédale steel guitar, à l'harmonica, au cœur. Je vous demande d'applaudir monsieur Christian De Pierre. Le dernier de la bande. Lui, c'est chez lui qu'on répète. Il nous abreuve pas assez. Il nous nourrit pas assez. Il nous emmerde. Ça, il le fait bien. Et il faut de la préférence. Hein. Notre chef d'orchestre, au clavier, à la guitare, je vous demande d'applaudir monsieur Marcel Lobé, qui ne faut que le papa de Jeffrey. Et comme si deux Lobé ne pouvaient pas suffire, madame qui est à la table de mixage, là, c'est la maman, madame Nicole Lobé. Alors il a un star présenté, évidemment. Hein. Bon. Je crois qu'il est très connu dans la région. Mais c'est grâce à lui que le groupe existe. C'est lui qui a réuni les musiciens, qui a formé en réalité le groupe. C'est la voix du groupe. Et je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Robert Vignati. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci de flatter mon ego. Leur polyvalence, oh oui, je les aime, je les aime.
soir.